Depuis l'âge de la maturité, Brandon, dit le dragon dragueur, adorait charmer, voire allumer, toutes les dragons en chaleur résidant dans les grottes de la vallée. Peu importe leur corpulence, la longueur de leurs cheveux, la couleur de leurs yeux, le degré de leur intelligence, conquérir des âmes fragiles, quel était son objectif peu subtil? Fait que Marc, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, certainement. Je m'appelle Marc Sauvageau. Je suis dans l'univers du conte depuis plusieurs années, d'une certaine façon indirecte, on pourrait dire, par le spoken word, par des projets indépendants. Mais on pourrait dire que j'ai intégré le milieu du conte depuis 2010 avec un livre CD qui s'appelle « Et Dieu créa les animaux à notre image ». Mmh. Est-ce que tu as un projet qui s'en vient aussi? Plusieurs projets qui s'en viennent. Il y a le tome 2 de « Et Dieu créa les animaux à notre image », un autre truc qui s'appelle « Lune d'Asie ». Bref, je travaille sur différents projets en même temps. On verra ce qui va réellement voir le jour pour l'automne prochain, l'automne 2012, ou d'autres dates ultérieures. Pour ne pas revenir bredouille, il était absolument prêt à tout. Il se serait contenté d'une grenouille ou même d'un ver à choux. Mais comme il était bon parleur, il faisait toujours un malheur. Un simple regard, un mot doux, une étincelle. C'est quoi pour toi l'importance du conte? Dans la vie de... dans ma vie à moi? Ouais. Alors, dans ma vie à moi, je pourrais dire que le conte, quelque part, c'est essentiel. Un, parce que c'est quelque chose qui me permet de m'exprimer. Puis pour moi, c'est la façon la plus libre de présenter des trucs. Donc, on n'a pas un carcan fixe, sauf raconter une histoire, raconter, dire quelque chose, partager ce qu'on a en dedans. Donc, pour moi, et souvent en s'inspirant de ce qui a été fait avant, donc dans toutes les créations existantes, on peut dire que ça part de quelque part, hein, ça part de nos ancêtres, ça part de très loin. Et le conte, finalement, c'est le médium le plus directement lié à ça. On peut dire, donc pour moi, c'est primordial. C'est une bonne nourriture, hein? Pas même le temps de s'asseoir qu'il reluquait une dragonne potelée accoudée au comptoir. Il la contempla un moment dans un miroir, cherchant une réplique, une courte histoire, une façon habile de l'inviter dans l'isoloir. Pour toi, est-ce que le 20 mars, ça représente quelque chose dans ta vie? Ben, le 20 mars, j'ai appris l'existence du 20 mars. Le 20 mars existe depuis longtemps. Ben, je pense que c'est encore là, c'est essentiel des journées comme ça, parce que le conte, d'un son réaliste, on regarde autour. Souvent, les histoires traditionnelles qui semblent être très locales, finalement, viennent de très loin. Les conteurs, un conteur d'Afrique va raconter à peu près la même histoire qu'un conteur de Chibougamau. Tu sais, donc, c'est quelque part, c'est intéressant de partager ça, d'unir ça, de se réunir et d'en parler, de voir un peu, d'échanger, finalement, entre nous, voir ce qui se fait et ce qui va se faire en compte. Donc, c'est une très belle initiative, c'est une belle journée. Et j'espère y participer en 2013. Ça va être la fin du monde, tu vois. Mais c'est pas grave parce que dans l'autre monde, il va y avoir quand même une journée du conte. Moi, je prévois la première histoire que je vais raconter, c'est ma vie sur Terre. Tu sais, je vais partir ce même. En tout cas, à un moment donné, un jeune, il était là, puis à la fin du monde, il est mort. Comment t'envisages l'avenir du conte? T'as-tu une vision? T'as-tu une boule de cristal, quelque chose? Oui, l'avenir du conte, en fait, ce que je trouve vraiment le fun avec l'avenir du conte, c'est que présentement, on est l'avenir du conte.
Donc, les histoires qui s'écrivent aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui va être raconté dans 50, 60, 100 ans. Hein, le bug de l'an 2000, justement, ou même l'histoire de la fin du monde de 2012, ça va faire partie des légendes urbaines. Comme il y a 1000 ans, les gens qui s'étaient réunis dans une église en ayant peur de mourir parce que la fin du monde s'en venait à cause d'une comète. Ben, c'est un peu le même genre d'histoire qu'on répète et qu'on y va. Donc, on est dans la science-fiction présentement. Mais sous peu, cette science-fiction-là va devenir du conte. Donc, c'est ça que je vois donc l'avenir. Donc, c'est ça ce qu'on vit présentement. Ce que je dis présentement, c'est un conte. À un moment donné, un jeune, il était là, puis à la fin du monde, il est mort. Ils ont beaucoup d'enfants. Et c'est vraiment ça. Donc pour moi, le conte, il y aura toujours sa place. Il y aura toujours même si maintenant l'écrit a différentes formes, puis le conte va peut-être aussi se modifier avec le temps. Peut-être qu'il va prendre un petit peu plus d'espace à la télé, en vidéo, sous toute autre forme, numérique, quelconque. Mais en même temps, ça va rester la même base. T'sais. Raconter une histoire qui se partage de bouche à oreille. Ou... Douce merveille, je me présente. Je m'appelle Branton. Des personnes qui ont vécu des choses quelque part dans leur vie. Fameux. Merci, Marc Sauvageau. Ça fasse plaisir. Ding!